total respect. Zéro limite. Radio libre. Radio libre. What the fuck? Tous les soirs dès 21h. Difoulé sur Skyrock. Difoulé sur Skyrock. L'annoncer comme d'habitude, Romano. De l'autre, alors là c'est un peu exceptionnel, c'est Momo. Ouais. Eh oui, Momo contre Romano. C'est le clash de ce soir. Les deux méthodes. Momo, c'est la méthode de la chanson du PSG. Autrement dit, la très belle PSG. Hein, allez Paris Saint-Germain. Je vais utiliser pour une fois. Voilà. PSG. Tendons-nous unis, c'est ça. Et de l'autre, on est tout pourri. La méthode de Romano. Moi c'est la méthode de la danse. Ouais, c'est possible que je change. La méthode de la danse. Quoi. Tu as prévu quoi comme musique de danse? Celle-ci par exemple, non? Ouais, sinon je mettrais Watty House là en stock là. Tu as Watty House? Ouais, sinon je mettrais un petit peu de Rihanna là. Un petit peu de Rihanna. Alors. Bon, premier numéro de téléphone, ligne numéro 8, on appelle qui? Alors Momo, on va appeler en France, tu vas voir. On appelle en France, c'est quoi? C'est un numéro au hasard? Service. C'est une station service. Oh bah c'est parti. Hein. C'est parti. Tu peux proposer de faire un spectacle dans la station service? Non, je vais faire découvrir la chanson. Et si ça lui plaît, bah on va lui faire découvrir sa femme en même temps. Très bien. Et Romano, toi, tu pourras faire découvrir ta danse dans la station service. Allô? Oui. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je vais vous faire découvrir une chanson si ça vous plaît. On l'a fait découvrir à tous vos clients et à votre femme si ça vous plaît. Non, je vous remercie. Allez, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Mais Romano. Non, mais il la met pas la chanson, l'arbitre aussi. Ah ouais, non, c'est vrai. Mais quoi, l'arbitre? Il faut mettre la chanson, ça le corrompt. Bah, c'est la chanson, fallait la mettre. Bah, il voulait pas écouter. Ça le corrompt. Non, mais Momo, ça va pas. Ah, on ne parle pas comme ça, l'arbitre. T'es en train de péter un câble. Je te rappelle. Comment on rappelle? Ouais, parce qu'il a pas mis la musique, gros. T'as pas mis la musique. On fait rappel. Momo a tellement introduit. Ça va cacher la misère. On va encore se marrer. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous? Ça va. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je vous appelle pour faire découvrir une chanson. Ah? Et si ça vous plaît pour vos clients et comme ça on la fait découvrir à votre femme. Voilà. C'est quoi? Alors j'aime la chanson. Alors la chanson, c'est ça. Ça vous plaît? Attendez. C'est joli, non? Ah, c'est bien. Ouais, ça vous plaît? Ouais, c'est bien. Et je peux venir après? Ce soir, on ferme. Non, mais après, mais avant que je... chez toi, dis rien. Ah non. Allez, avec ta femme. J'ai pas de femme. Allez-y, tous les deux. Ouais, nous deux, comme ça, on dansera sur la chanson. Y'a moyen ou pas? Là, on se frottera, on dansera, y'a pas de soucis. Bon, moi, ils osent se frotter. Y'a moyen? Ah non. Allez. Et non. Ça t'excite pas un peu? Pas trop. Ah putain, merde. En plus, elle est bien cette chanson. Ah bah oui, mais bon. Allez, chante. Tu veux que je la remette? Ah, Momo, il veut que je la remette. Chante, Momo. Chante un peu, Momo. Chanson. On va chez toi, tous les deux, tranquille. Voilà. Ah bah non. Allez. Ah non. Eh non. Non, mais allez, viens. Pas de soucis. Non, mais non. Dis-moi oui, s'il te plaît. Et non. Putain, merde. Eh ben voilà, Momo. C'est pas grave, hein. Bon. Eh ben, bon courage. En effet, bon courage. Merci. Alors Momo était en panique, ça s'entend. Tu étais en panique, Momo? Je suis un peu en panique là. Mais il faut. C'était pas mal, Momo. Ouais, bien, ouais, bon, quand même. Ça va. T'as vu l'équipe Romano, elle est contre toi. Ouais. Non mais on a. En même temps, je fais la gueule qu'il faut quand ils disent ça, quoi. Thomas Jones, c'est vraiment des grosses salopes. Oh, c'était pas mal, hein. Les mecs sont morts de rire. Ah bah au moins t'as tenu. Non mais c'est bien, Momo. Bah non mais il faut pas. Romano, en tant que spécialiste du clash, qu'est-ce que t'as trouvé? Non mais déjà, Momo, ce que t'aurais dû faire, c'est ambiancer plus. Pour moi, t'aurais dû chanter. Je pense que l'équipe est d'accord. Oui. Non mais je lui ai dit, gros. Ah bah voilà. Ça c'est clair. Fallait chanter. Voilà. Et après, mais parle plus calmement. Non mais je suis un peu stressé là, j'arrive pas. La méthode est pourrie, ah, on dit. Non mais bon, la méthode, bon ça va pas en parler, on va pas être désagréable. Non mais c'est que t'es trop en panique, gros. Ouais. Mais même le mec, tu le stresses. Parle des contracts. Alors Romano, essaye de faire mieux. Putain, je vais me faire étaler, le mec il va me raccrocher à la gueule. Il y a des chances. On appelle en Belgique pour toi. En Belgique pour toi. Tu tiendras moins longtemps que Momo. Un hôtel, Romano, toi. Hôtel Zac. Allô, l'hôtel? Oui. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Un cash runner. Oui, que c'est Monsieur Van der Pass à l'appareil. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible ce soir? Non, je n'ai plus rien, monsieur, je suis complet. Vous êtes complet, vous restez à l'accueil toute la nuit, vous? Comment? Vous restez à l'accueil toute la nuit?
Pourquoi devez-vous savoir ça? Ben parce que je vais venir te voir et je vais te faire une danse sensuelle sur le comptoir. Oui, eh bien moi je vais te foutre mon dent dans le cul. Ah bon, bon, voilà. Eh ben j'arrive alors. Eh ben bravo. C'est cadeau ça. Ouais, château. Et Momo va bien se prendre un bois dans le cul également. Hein. Non, c'est château là. C'est là, c'est cadeau Momo. Et comme ça. Pas mal, je rends hommage à mon adversaire qui n'est pas là ce soir, mon adversaire de toujours Cédric. Big up à toi Cédric, elle est pour toi le dedans. C'est château que t'es quoi. Bon Momo, tu en veux un deuxième? Ouais. Bah, enfin, un troisième déjà toi, t'as déjà eu deux coups de fil toi. Bon allez, un troisième et pour toi Momo et Romano, après je te laisserai un autre coup de fil. Et vous pourrez voter juste après pour Momo ou Romano dans ce clash exceptionnel. Alors, un doigt dans le cul à zéro, on nous dit oui. Bien joué, Jameson. Cédric est Momo est jaloux, t'as Cédric. Tu as tellement l'habitude d'avoir. Et qui c'est qu'on appelle? C'est une station service en France. Pour station service, elle a fermé celle-ci. On a une station service pour moi en Belgique. Je vais voir. Ou en France. J'ai déjà serré dans un hôtel, maintenant je vais aller me faire secouer dans une station service. Bon, allez, une autre, Samy. Station service, c'est parti. Prépare-toi, concentre-toi Momo, tu discutes avec Karim. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Tu lui donnes quoi comme conseil? Allô? D'ailleurs raccroché. Tu donnes quoi comme conseil? Pas mal Momo celui-là. Pas mal. Il appelle une pompe à essence, il se fait mettre le plein, tu vois, des trucs comme ça. Je vais rester sur la chanson du PSG. Tu vas pas te faire mettre le plein? Non. Allô? 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 Décidément, Momo, tu n'as pas de chance. Ah, c'est le standard, là. Non, mais on n'arrivait pas à mettre à l'antenne. Qu'est-ce qu'il a, le standard, Samy? Ils ont changé ton truc, c'est de la merde. Pourquoi ils ont changé mon truc? Parce que l'autre était cassé. Ah bon? Ah oui. Bon, alors, ils m'ont changé. Vous savez que j'ai une télécommande standardique. Eh ouais, avec un écran tactile. Non, il n'est pas tactile. Non, pas du tout. Non, c'est une caisse enregistreuse de machin. Non, mais c'est une grosse boîte. Alors, on y va, Momo, c'est parti. Station service en France. Station service en France. Bonne chance, Momo. Merci. Momo. Il y a beaucoup de messages d'encouragement, j'en peux en lire un. Momo, il était trop nul. Merci. Le message de Hobbs & Rumeur. Ah. Allô. Allô, bonsoir, vous allez bien? Oui. Je vous appelle parce que je suis chanteur et je viens vous faire découvrir une chanson si ça vous plaît. Au revoir. Voilà. Merci. Je crois que la méthode du PSG. C'est la chanson du. La méthode du PSG, elle. Non, je disais au revoir des clients. Ah pardon, excusez-moi. Ah non, mais je vous repasse mon ami chanteur. Voilà, je suis chanteur. C'est qui l'appareil? Je suis un chanteur parisien. C'est quelle radio? Non. Et en plus, Momo va payer un cadeau, le va payer un cadeau. mais toi, c'est la totale. Mais quelle radio veux-tu que ce soit avec une technique de drague aussi? Je peux te chanter quand même une chanson. Pété. Non, j'ai dit pété, vous avez vu, pas de chance. Ça, c'est pas de bol. Non, j'ai dit pété, mais c'est... Ah, mais c'est Sky. Et oui, c'est Skyrock. Romano, je t'écoute tous les soirs, Blaireau. Ah bah je suis là. Ah bah c'est gentil ça. C'est pas vrai, Blaireau. J'y crois pas. Ah non mais là c'est pas moi qui te draguais, là c'est Momo là, t'as pas de chance. Je peux venir chez toi quand même. Romano, je préfère que ce soit toi que Cédric. Ah ouais mais Cédric ce soir il fait des calculs rénaux. Oui il a des calculs rénaux ce soir Cédric. Bon bah écoute, je viens et tu prends le plein. Non, pour moi, non, casse-toi. Vous savez où vous êtes là? Non, on est où? Dans une station service. Ah bah oui, bah tu vas me faire le plein. Non mais Romano, ne viens pas, c'est mon appel, casse-toi. C'est quoi ton prénom? C'est Eric. Eric, bah super Eric. Bah on va t'envoyer un cadeau, c'est Momo qui paye. Ah bah y'a pas de soucis, hein. Qu'est-ce que tu m'envoies Momo? Non mais attends. Ah bah yo du PSG. Je peux venir. Non mais Momo c'est fini là, mais c'est fini. Qu'est-ce que tu lui envoies Momo? Non, un jeu pour mon fils. Eh bah un jeu pour le fils. Je peux venir quand même pour te faire des... Ouais ok, mais sur Momo on a dit... Eh les gars, si vous venez je vous paye le café hein. Ah bah écoute Romano va dire à toi. Ah bah moi je vais y aller moi. On finit l'émission, j'arrive, t'es dans quel coin? Ah bah oui Romano, tu sortiras pas un sou hein. Ah bah nickel, bah j'espère bien. Et t'es où? J'espère bien. Ah je suis en Auvergne. Ah bah en plus c'est bien, c'est juste à côté. Romano, si tu veux, en plus, je t'offre une meuf, en plus, si tu veux. Ah bah, dis donc, c'est gentil. Station service, proxénète. Et proxénète. Il fournit les putes, Eric. Bravo, Eric. Bah, les gars, déconnez pas, il y a mon gamin qui doit écouter, en plus. Ah bah voilà, papa est proxénète. Fiston. Oh, cool, tous les soirs, vous écoutez. Bah, super, nickel. Et elle est où, ta station service? En Auvergne. Non mais ça je sais. Sur l'autoroute, sur la 71. Sur la 71, ok. Ouais. Station service. Eh ben écoute, bosse bien, bon courage à toi. Ben les gars, bonne continuation. Et pareil, et on t'envoie un cadeau, hein, tu bouges pas. T'inquiète. Donc ton jeu, pour le fiston, comment il s'appelle ton fils? Il s'appelle Jordan. Jordan, et ben tu big up Jordan alors. Ah pas de soucis, mais tu l'envoies où le cadeau? Eh ben on va prendre les coordonnées, t'inquiète. On va prendre ton adresse, quitte pas, hein. Raccroche pas, Eric. Ah mais c'est bien fait. Ah ben attends, c'est bien foutu. Eh, dis foule. Oui.
Il y a une belle lurette, tu sais, qu'est-ce que j'avais un cadeau moi pour Romano. C'était quoi? Mais je l'ai paumé à la maison. C'était, tu sais, j'ai deux York à la maison. Des Yorkshire, ouais. Et tu voulais faire quoi? M'offrir des cheveux? Ouais, exactement. Quand j'ai fait raser le clébard, j'avais gardé les cheveux pour Romano. Ah bah yo, la prochaine fois, la prochaine taille, n'existe pas à m'envoyer. Ah bah n'y va envoyer. Celle-là, elle va passer dans les 5 meilleurs. Je pense que c'est possible. Ah, putain, celle-là, elle est pas mal. N'hésite pas à m'envoyer les cheveux. Eh ben merci Eric, raccroche pas en tout cas. Ok. Salut Eric, ciao. Ciao les gars. Bah ciao. Bon, tu dis bon, je peux finir. Non, mais moi j'abandonne le clash. Là. Tu veux attends Momo, enfin les votes. Non mais attends, et puis moi j'ai. Tu veux ton dernier rappel toi? Bah ouais. Allez, station service pour Romano, on y va. Là, où, donc c'est en France là. Station service en France. Je prenne pas l'accent belge comme un couillon. Que bonjour. Comment allez-vous, hein? Donc station service en France, allez, c'est parti. Oh, quoi que, tiens, je vais parler en belge, je veux dire que je suis touriste. Tu veux pas, tu veux faire un coup de fil en France, mais tu parles en belge. Bah ouais, pourquoi pas. Très bien. Vous savez, quand on le fait tard, le bonjour, clash, c'est bizarre. Laissez-moi votre... Ah bah tiens. Dès mon retour, merci. Ah, très bien. Bon bah écoute. On va pas attendre qu'ils reviennent. La station service, elle est fermée. Non, on va pas attendre qu'ils reviennent. Alors, station service, où ça? Vas-y, Attends, je vais te dire. Dans quelle région? 0471. On est dans... encore en Auvergne, il me semble, non? On est dans le 43. Ouais. Dans le 43, Romano, la Haute-Loire. Très bien. Je suis pas sûr qu'en Haute-Loire, la station service soit ouverte. Non, mais si c'est des trucs d'autoroute. Ah oui. Il y a l'autoroute là-bas? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Que c'est la station service? Oui. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je suis belge. Oui. Oui, que vous êtes encore ouvert. Oui. Oui, que c'est très bien. Que je vais venir te faire une petite danse sexy devant toi. Allô? Allô, le pompiste? C'est mort. Ta gueule. Le pompiste? Oui. Oui, que je vais venir danser devant toi et qu'après je vais t'attraper sur le comptoir. Ah, je crois que c'est mort, ouais. Ouais, mais Momo, je que tu fermes ta gueule aussi pendant mes appels, parce que c'est valable pour Cédric, mais aussi... Non, mais toi, t'avais losé, le mec arrêtait pas de me parler, Eric. Il ne voulait même plus parler à toi, il voulait parler que sur le... avec moi. Je suis désolé, Momo. Sans battre les couilles, le seul truc qu'il a voulu de toi, c'est le cadeau. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va faire les votes, d'abord les déclarations. Tu veux quoi comme musique? C'est musique du PSG pour déclarer. Eh ben oui, Momo. Non, la musique du foot, c'est mieux. Non, musique du PSG. Ouais, musique du PSG, Momo. Alors, c'est parti pour la déclaration. Mais c'est quoi? Tu chantes, Momo? Non, je chante pas, mais t'es malade. Tu passes à chanter PSG. Ah non, je fais une déclaration, c'est tout. Une déclaration, attention, top déclaration. Votez pour moi, allez-y, de toute la France, j'accepte tous les votes. Votez Momo, 41 Sky, sur le Facebook, sur le Twitter, sur Internet. Votez pour moi, allez-y. Vous savez, Marseillais, Parisiens, Stéphanois, Lyonnais, il n'y a pas de souci. Les Marseillais vont voter en masse pour toi, je crois, Momo. Votez hein. Pour moi, les Marseillais. Tout le monde, allez-y, il n'y a pas de souci. Je prends tous les votes, voilà. C'était la déclaration de Momo. Comment t'as trouvé la déclaration de Momo, Romano? Elle était super. Merci. Elle était super. Super pété. Merci. Et toi Romano alors? Alors bon bah, moi je vais chanter sur Nicki Minaj. Nicki Minaj laquelle? Turn Me On. Turn Me On. Voici donc la chanson avant la déclaration. Alors attention Marie parce que les postillons vont partir là ce soir. Ah non, c'est bon, je vais tout plein, donner pour la musique mes amours. Je me cache. Attention. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Romano, 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 Romano. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Il faut ce soir voter Romano. Romano, 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 Romano. Bon, et déclaration. Oh, c'était moche. Et t'as intérêt à te faire fort pour ta déclaration parce que regarde, pour Momo, ça vote. Hein. Ouais, mais là, les votes, ils comptent pas, je m'en bats les couilles. Attendez le top, là, je vous donne le top dans un instant. Bon, alors, ce soir, mes amours, je crois qu'il n'y a pas photo. Bon, Momo a tenté sa chance. Hein. Bon, et s'il se retrouve à payer un CD. Non, un maillot de foot, pardon. Un maillot de foot, oui. Un maillot de foot. Moi, dès le premier coup de fil, bim, premier appel, je danse et le mec me met un doigt dans le cul. On me fait sans doute mieux danser. Je vais danser, hop là, je vais tourner sur son doigt, je vais tournoyer, ouh. Est-ce qu'on peut dire que Momo représente le Belge et que le score compte pour le Belge, non? Alors, non. Si vous aimez Cédric, si ça vous fait de la peine qu'il ne soit pas là ce soir, okay. Eh bien votez Romano, R-O-M-A-N-O, ce soir ma victoire sera également celle de Cédric. Déjà il en a pas beaucoup le pauvre, mais ce soir pour lui rendre hommage, Cédric revient vite, ce soir votez Romano, R-O-M-A-N-O. Très bien, c'est ta déclaration. Ouais. Bon, je peux donner le top alors. 23h47, top
Votez pour moi, votez Momo, allez-y. Votez pour moi, votez Momo. Bah oui, il faut voter Momo, faut l'encourager un peu. Merci Marie. T'entends ça, Romano? Non mais c'est pas grave. Non mais t'es pas fair play, Romano. De quoi je suis pas fair play, mais je non, parce que t'as appelé à des votes contre, enfin, pour Cédric, alors que d'habitude t'es contre lui. Bah et alors, Momo il avait qu'à le faire.